Salut à tous, c'est un Dédaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Vore de Krone. Alors merci à l'abonné qui m'a corrigé sur la prononciation. J'ai lu Vore de Krone, mais ça se dit Vore de Krone d'après ce qu'on m'a dit, donc merci beaucoup pour la correction. Par contre, sur notre moins positive, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que malheureusement le jeu ne faisait pas de sauvegarde. Donc il faut y aller en une traite, ce qui n'est pas forcément très cool. Et surtout, c'est qu'on va pas repartir sur le tutoriel parce qu'on a déjà fait, on va essayer de découvrir des nouvelles choses. Donc cette fois-ci avec la vraie campagne. Donc on repart sur nouvelle campagne. On a trois pays différents à choisir, je sais même pas lequel est bien. J'ai l'air d'avoir une espèce de couronne. On va prendre lui parce qu'on connaît, puis il a une espèce de couronne, alors je veux dire ok, ça me va. Donc on est reparti avec la Hollande. On a donc notre royaume. Ouais, donc là on est vraiment sur une map un peu plus folle. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de gérer nos troupes. Le bémol, moi, ce qui m'inquiète un peu, pour être honnête avec vous, c'est l'argent. Grosse priorité. Vous voyez, là, on va être retrouvé en négatif. Donc, je pense qu'on aura intérêt à très, très vite attaquer, tout en essayant d'upgrader nos systèmes de commerce également. Donc, ça va être un poil tendu. On peut également construire des fortifications. Donc, bon, voilà. On va laisser passer une saison, je pense, tranquillement. Et on va essayer d'attaquer un autre royaume. Je ne sais pas encore qui ni quoi, mais on va essayer d'attaquer. On est en été 1271. Une famine a frappé la Hollande. Putain, mais c'est pas de bol. J'ai pas de chance, frérot. Bon, décret. Donc, on a maintenant l'économie. On a plein de choses. Ok, on a le civil. On a foreign, donc l'étranger. Et le militaire. Ok, on va aller dans l'économique. Je peux rien faire. Là, je peux strictement rien faire. On va continuer. Je peux rien faire. Du coup, ça m'a fait quoi? C'est-à-dire que j'ai perdu des hommes? Ça veut dire quoi, tout ça, là? J'ai perdu des hommes. Je crois que j'ai perdu des hommes. Ouais, j'ai perdu un bataillon. Ok. Est-ce que j'irai pas attaquer? Par exemple, toi, je t'attaque. Ah, on pourrait... Alors, on est 4 contre 4. Vas-y, on va partir à l'assaut. Vas-y, 4 contre 4, j'y vais. Je suis pas serein, mais ok. On va espérer que ça passe. Alors, j'avoue, je suis pas serein à l'idée de me battre. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Donc toi tu vas plutôt être là-bas et ça va être pas mal je pense. Là on est déjà en négatif en termes de thunes donc ça va être compliqué. Allez lance coucher. Ouais voilà, ok alors on va faire un truc tout bête. C'est que je vais demander à tout le monde d'avancer. Déjà tout le monde va avancer tranquillement. Donc ouais plutôt beau gosse non? Ne trouvez pas, je me trouve plutôt beau gosse quand même. Alors poussez-vous par contre les gars. Non mais les gars vous êtes gentils mais vous me bloquez. Oula j'en ai bousculé un ou deux. J'entendais bousculer les pauvres bonhommes. Ok alors vous allez avancer. Tout le monde va avancer et vous allez bloquer avant. On va les laisser s'embourber gentiment ici. Et là, hold. Voilà, vous bloquez là. On va les laisser tranquillement. Les archers, par contre, vous, je vais vous demander d'avancer un peu. Ah bah, ils tirent déjà. Ça commence déjà à tirer. Ah, sur eux. D'accord, sur eux. Je vais mettre en mode lance couché. Les archers, faut tirer. Voilà, parfait, ils tirent. Ils shootent. On espère avoir quelques morts. Là, ce qui va être vraiment cool pour nous, c'est que ces cons-là vont s'embourber. Ah, par contre, j'avais pas pensé à ça. Vous, je vais vous demander de charger. La cavalerie, vous allez charger. Ouais, allez-y, chargez contre l'autre cavalerie. Et là, lance couchée, j'en ai quand même eu un. Donc ça, c'est cool. J'en ai descendu un dès le début. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à se battre contre eux. Allez. Voilà, oh les dégâts. Allez, toucher. Encore. Il arrive pas. Il veut pas tirer. Il veut pas mettre coup d'épée. Oula. Ok, bloque. Keblolé. Vas-y, tu keblo. Keblo, vas-y, tire-toi. Mais non, mais je suis mort. Mais c'est pas possible. Tu prends deux. Ils ont tapé dans le dos de mon poney. C'est moi qui suis mort, quoi. C'est une honte. Le combat est ridicule. Bon, bah, on aura fait une bataille qui aura duré. Pourtant, ça partait très, très bien niveau bataille. Ça partait très, très bien, mais je suis mort. C'est ça qui est fou avec ce jeu, c'est que tu meurs pour rien, quoi. Ils ont mis un coup d'épée dans le dos de mon cheval et c'est moi qui suis mort. Oh là là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va repartir sur un nouvel assaut. Donc là, on est en automne 1271. On a raté hein, dans notre attaque. Je vais faire une mission, ouais. On va faire une mission de trade, une caravane, pour justement essayer de gagner un peu plus d'argent. Vous, du coup, ça donne quoi? Ils sont tous en train de se reposer. Je vais nous mettre un autre paquet de... d'archers. Ah non, j'ai voulu mettre des archers. Bon, c'est pas grave. Et je pense qu'on va pouvoir ôter jusqu'en... Là, on va arriver en hiver, non? C'est ça? On va arriver en hiver, je sais plus. Mais en tout cas, on va essayer de faire de notre mieux. L'idée va être comme de continuer à gérer. Hein. Je pense que là, on va continuer à... ouais, en plein hiver.
Est-ce que ça sera intéressant de se battre en hiver? Je suis pas sûr. Une rébellion a commencé. Ah, il me déclare la guerre. Willem me déclare la guerre. Je sais pas qui est Willem, mais il me déclare la guerre. Ouais, bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Relations étrangères. Faire une paix. Militaire. On n'a rien. Économique, on peut continuer. Je vais continuer à récupérer du fric. Parce que j'aime l'argent et je sais pas trop à quoi ça va servir. Le reste, j'avoue que j'ai aucune idée de savoir à quoi ça sert pour l'instant. Et on va essayer d'améliorer un peu notre... améliorer le commerce, ouais. Pour essayer de perdre un peu moins d'argent. C'est pas mal. Et là, comme ça, prochain tour, on attaque. On attaque juste après l'hiver. Je veux pas que ce soit trop blanc, que ça nous pète les yeux. Ah, il y a une baston, là. Là, il y a une baston. Ok, qui gagne? Ouh! Ok. Et on se fait attaquer. On se fait attaquer. Je pourrais déléguer le commandement. Vous défendre. Je vais déléguer pour voir ça fait quoi. On a... ah, d'accord. Du coup, on a gagné ou pas? On a réussi à gagner, je crois. En déléguant, on a réussi à gagner. Donc finalement, le jeu se débrouille mieux que moi. Ça qui est fou. On a looté. Ils ont raté nous attaquer. Ils nous proposent une paix. Non, je déclane. Je décline. Je décline, je décline, je décline. Et on va mettre encore une fois en économique plus d'argent. Et comme ça, normalement, je pense qu'on a dû perdre quand même quelques bataillons, non? Sinon, c'est vrai que le jeu s'est bien débrouillé. On a perdu un bataillon. Et on a perdu... ok. Crossbow, non. Je peux pas les débloquer, eux. Pourtant, j'ai de l'argent. J'ai pas dû améliorer suffisamment, je pense. Ok. Récupère des lanciers, sait-on jamais. En attendant, nous, on va continuer à améliorer notre défense. On va construire des... ah, je peux pas encore. Ok. Pourquoi upgrade? Ouais, ça coûterait un peu plus cher, vas-y, on upgrade. Voilà. On passe une saison tranquille. On va laisser nos troupes se reposer et après on repart à l'assaut. L'idée va être d'essayer cette fois-ci de vraiment envoyer nos troupes et d'aller à l'assaut après. Parce que là, j'ai bien vu que tout seul... ah, j'avais aussi un autre truc. Vas-y, bon, on va déléguer. Hein. Ah, j'avais aussi un autre territoire ici. Tiens, j'avais pas vu. Normalement, on est plus nombreux, donc voilà. On a délégué, on les a défoncés. J'avais pas vu qu'on avait un deuxième territoire là-bas, tiens, c'est marrant. Encore une mission pour récupérer de l'argent, je pense. Hein. Vas-y, que ça. Donc on a un deuxième territoire là-bas. Ouais, on va essayer d'aller voir. Ok, alors toi. Tu vas essayer de récupérer quand même quelques bonhommes. Parce que là, hop. Et hop. Comme ça, tu vas pouvoir défendre au maximum. Le reste, on va considérer que c'est ok. Est-ce que j'irai pas attaquer maintenant que mes bonhommes sont... maintenant que mes soldats sont prêts? Oui, on va attaquer. Hein. Qui c'est qui va pas nous attaquer, toi? Que je suis en guerre contre toi. De toute façon, j'ai pas assez de bonhommes. Ils sont trop nombreux, regardez. On a deux gars prêts à se battre et eux sont... non, 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 on revient. J'ai rien dit, finalement. On a plus personne ici. Bah, on devrait être plus nombreux que ça, non? Si j'assaut là-bas. Dites charge. Pourquoi j'ai que deux gars? Ils ont que... bah, je sais pas. Il y a un truc, j'ai pas capté, mais il y a un truc. Bon, bah, ça veut dire qu'on serait potentiellement... ouais, ouais, je sais pas. Il doit y avoir un truc. Bon, normalement, on est quand même deux fois plus nombreux, logiquement. Donc vous, je vais vous demander d'être devant, les archers derrière. Et juste à faire un chargé, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Hop, là, je vous fais un gros chargé. Là, je vais pouvoir coucher ma lance. Comme ça, le premier qui débarque, là, que je plante. Et encore, non, 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 les gars, vous avez tous avancé. Voilà, les archers vont se mettre là. Prêt à tirer. Ils n'ont pas d'archers en face, hein, on est d'accord? Donc, eux n'ont pas d'archers, donc normalement... oh merde, pardon, je t'ai renversé, excuse-moi, frérot. Voilà, vous bloquez. Les archers, pendant ce temps-là, vont se faire carrément plaisir. Les archers? Voilà! Bam! J'appelle ça des archers, mais c'est surtout des arbalétriers. Là, les arbalétriers, normalement, ils sont censés prendre assez cher. En tout cas, infliger beaucoup de dégâts. Ouais, je crois qu'en face, ils prennent cher. Hein, avec les archers, là. Hein. Bon, les gars, on a subi des défaites. Beaucoup de défaites, même. Mais croyez-moi, c'est pas fini. Ah, je crois qu'ils ont pris cher, quand même. Hein. Ah, les archers, encore, 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 encore. Poum, 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 poum. Ok, vous, chargez. Allez, chargez. Chargez-les maintenant, les gars. Hop là, touché. Tac.
J'ai 100 de mon cheval pour me battre. Parce qu'on a bien vu ce que ça donnait à cheval, c'est très compliqué. Ok, nice. On y va. Encore, encore, encore. Hop là, lui il est planté. Toi t'es plantax. Voilà, tranquille. Oh là là, non, non pas encore. Voilà, bloc, bloc frérot, bloc. Recule, 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 c'est bon, j'en ai marre de mourir tout le temps. Les archers, vous faites quoi là? Tous les archers chargés hein. Les archers ont reculé. Ils tirent plus. Oh tiens, il y en a un. Ils cherchent la merde, carrément. Je crois que c'est pas le seigneur ennemi. En tous les cas. Ouais, c'est bon, c'était. Ouais, d'accord, c'était bien général ennemi. Ok, d'accord. Donc moi, je vais continuer à me battre contre eux, hein, tranquille. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, le paysan, il m'a fait tellement mal. Les archers. Les archers. Peut-être avancer un peu, là. Charger les archers, là. Non? Bon, du moins, avancer. Je crois qu'ils n'ont pas besoin d'avancer, ils tirent. Hein. Ouais, regardez, ils tirent déjà, ils n'ont pas besoin d'avancer finalement, eux. C'est pour ça qu'ils avancent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin. Tac, 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 oh là là. Bloc, 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 vas-y frérot, bloc. Vas-y, lui, il va t'attaquer. Bam, t'enchaînes. Bam. Boum, on n'en parle plus, un en moins. Hop, hop, ah, il recule, il fuit. Il fuit. Voilà, on a gagné, encore une victoire. Ok, c'est nice, on a gagné, on a gagné, on a gagné, tout va bien. On était deux fois plus nombreux et je crois qu'on était clairement mieux équipés. Mais on est content quand même, on est content quand même. On va pas exagérer, on est très content. On a perdu 4 glandus dans la bataille, mais ça valait le coup, je pense. On peut le raser. Non, on va l'occuper, on va l'occuper. Parce que tu comprends, c'est relié en plus à notre royaume. Et je pense qu'en soi, c'est pas mauvais du tout ce qui se passe. Donc là, on est vachement bien. Par contre, il va falloir vraiment que... Ouf, ouais. Il y a l'air d'avoir du combat quand même à droite à gauche. Hein. C'est ça qui m'inquiète un peu. On est en automne 1272. On a réussi à occuper... Ok. On propose une paix. Désolé, mais pas de paix pour un dé. Un dé ne déclare jamais la paix, c'est la paix qu'il déclare. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, toutes les unités peuvent se reposer. D'accord. Militaire, on peut faire du sabotage. On peut faire une marche forcée. D'accord, on peut faire une courte paix. Ouais, on peut faire plein de trucs. Bah, moi, je vais continuer à essayer de générer des revenus. Hein. Je pense qu'on va continuer à essayer de générer des revenus en masse. On va améliorer nos villages, améliorer notre défense également. Je pense que c'est pas de mauvaise chose. Toi, t'es blindé. Toi, t'as pas d'hommes là-bas. Si, t'as quelques hommes qui sont en train de se reposer, on va considérer que c'est ok. Toi, ton côté, ça donne quoi? T'as un désastre? Ah, y a pas d'hommes ici. Y a pas d'hommes en garnison. On va recruter un peu alors. Voilà comme ça. Et il faudrait des mecs au corps à corps. Voilà, je pense que là ça fait mal au porte-monnaie, je sais. Mais au moins on est quand même plutôt tranquille. Là si je voulais attaquer 3 contre 5, c'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi? Parce que j'ai sur les 5 unités, j'en ai 2 qui sont en train de se reposer. Ok, bon, on laisse passer encore une nouvelle saison. On aurait pris un nouveau territoire. Ce qui est pas voilà, c'est pas fou, c'est pas fou, mais au moins c'est cool. Ok, donc j'ai pas pu me défendre ici. Pourtant, j'ai recruté du... Ah, ils étaient encore en cours de formation. Donc, ils n'étaient pas, pas là pour défendre. D'accord. On s'est fait attaquer. Propose une paix. Toi, oui, on va dire ok. Parce qu'en soi, j'ai pas à me battre avec toi. J'ai déjà un ennemi là. Ça suffit. On récupère un peu de fric. Un peu de fricadelle. Et donc, toi, normalement, t'as des ordres dans ta garnison peinard. Ok. Tu vas pouvoir augmenter encore ton commerce. Allez, augmente le commerce. Tranquille. Tu vas te mettre en mode conscription. Ça fait quoi? Bah c'est bien, ça augmente en positif l'ordre public et la population grandit, c'est pas mal. Ok. Toi de ton côté, t'as combien de soldats? C'est pas mal, ok. Et si je voulais attaquer cette zone-là, on serait en 55, ok. Et si je voulais attaquer du coup l'autre zone, on serait en 52, bah qu'on va attaquer. Ah, ils se rendent? Accept surrender? Ah, ils se sont rendus. D'accord, ils se sont rendus, ils ont même pas voulu se battre, ils se sont rendus direct. Ok, bah écoute, ouais, bah c'est beau. Je préviens, ça m'arrivera jamais de me rendre comme ça. Hein. Mais ok, ils ont accepté directement. Genre, ils savaient que c'était perdu, ils se sont dit, ouais, ça va être chiant. On va se défendre, on va se défendre. On gère la charge, on va se défendre face à l'assaut ennemi. Allez. Là, le combat va être, je pense, assez difficile. Ce qui me rassure, c'est que comme c'est vide de chez vide, au moins on est sûr de les voir, quoi.
Ah, c'est clair que là, alors tout le monde va avancer. Avancez un peu. Voilà, vous avancez un peu. Je sais pas encore jusqu'où, mais vous avancez un peu. Voilà, j'avance avec mes troupes vers l'ennemi. Parce que je suis un guerrier. Un terrible guerrier même. On avance. Les archers vont pouvoir tirer, non? Oh oh, je crois qu'ils vont charger. Je crois que la cavalerie va charger. La cavalerie est en train de charger, ok. Alors dans ce cas-là... Charger. C'est lesquels qui vont charger? Eux? Ah mais non, je voulais pas. Ok, bah, c'est quoi, tout le monde? Eh, c'est quoi, on va faire tout simple. Tout le monde charger. Chargez tous. Vous chargez tout. Tout le monde charge. Oh merde. Ouh là 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 là. J'en ai tué un, mais j'ai pris méga cher. Ok, stop. On est engagé par la cavalerie. Ouais, je sais. C'est grave chaud, mais ok. Ok, est-ce que vous pourriez les tuer? Ouais, je crois que vous arrivez à les tuer. Hein. En fait, ça va, tiens, toi. Encore. Encore. Voilà. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Il te met un coup d'épée, t'es par terre, t'es mort, quoi, frérot. C'est pas possible. C'est intenable. Tu prends un coup d'épée, t'es par terre. C'est fou. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je rage un peu, mais c'est pas grave. Alors, on a les thés qui arrivent. Il vient me déclarer la paix, lui, non? Non, toujours pas. Ok, on va essayer de récupérer. Alors, on a quoi? Militaire. Sabotage. Si on paye 500, ils ne pourront pas nous attaquer la prochaine saison. Mais je m'en fous un peu. Non, on va plutôt faire... Alors, on a quoi dans Foreign? Pour une paix, déclarer la guerre, ça, non? Économique? Non, civil. Ah, on pourrait essayer de calmer les rébellions qu'il y a dans notre royaume, mais je suis pas sûr qu'on en ait. Faire un speech pour booster le moral de nos troupes cette saison. Ouais, non, 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 non. Bah non, je pense qu'en vrai, on va refaire de l'économie, là. Hop là, hein. On va augmenter un peu la somme totale de notre bouffe pour faire un peu plus de stock. Donc là, si je me trompe pas, vous... J'ai personne. J'ai quand même embauché un peu plus de monde. J'ai des paysans qui vont défendre, mais il y a absolument personne. Il faudra que je m'en prenne à eux, ok. Et bah dans ce cas-là, fin de saison. Hein. On est mal barré là. Là, ça s'annonce très très mal pour nous en vrai. Hein. Je vais déléguer pour voir. On est marre de me faire savater. Et ça donne quoi? Putain, on a perdu. On a perdu en déléguant. On a perdu en déléguant. C'est donc la fin de notre empire en une demi-vidéo, quoi. non, en vrai, on va s'en sortir quand même super bien, j'imagine. Hein. Économie, tac. On récupère, donc là il va me falloir des soldats et il va falloir que j'essaie de me battre. Alors on a encore deux villes, tout va bien, voilà. Vous voyez, vous êtes toujours en train de flipper comme ça, mais on a encore des villes, oh là là, ça va là tout de suite, les grands mots. Un des va se faire éliminer, blablabla, ça va là. Hein. Bon toi, trouve-moi des gens. Trouve-moi des gens. Et toi, on va dismiss et on va essayer, tac, hop, de trouver des gens. Voilà. Donc eux, vous allez essayer de vous détendre. De votre côté, je peux rien faire avec vous. Ok, bah fin de saison. Pour l'instant, on va pas se cacher. C'est les rouges dominent à mort. J'ai l'impression que les rouges, ils sont super forts. Ok, on n'a pas été attaqué cette saison. Donc c'est déjà ça, on n'a pas été attaqué. Ça me paraît pas mal. Oui, je veux la paix. Je veux la paix, y a pas de problème. En attendant, moi, je voudrais essayer de récupérer du fric aussi. Ok, ça me paraît pas mal. Et là, c'est Utrecht. Et vous, je peux vous attaquer ou pas? Vous êtes 3 gars et nous, on est 5, non? Non, non, c'est pas la peine. On n'a rien dit, en fait. On venait juste voir, comme ça, au cas où. Ils acceptent la soumission. Bah, j'accepte leur soumission. Boum. On récupère une ville. On récupère une ville sans même avoir attaqué. On teste des choses là, hein. Vraiment on teste des choses. Là il y a une baston. Ok, les rouges se sont fait savater, tant mieux. C'est bien que quelqu'un leur résiste un petit peu. Les verts, est-ce que les verts peuvent perdre? Les verts ont perdu, parfait. Et donc on a récupéré une ville sans même avoir eu besoin de se battre. Et ça c'est beau. Vous voyez, c'est de la stratégie. Alors on va faire un tout bête civil. Strike Rebellion, ouais, ok. On peut essayer de guérir les problèmes, essayer de leur donner un pouce de carré, ok. Chercher des nouveaux sergents, non.
Bah écoute, économie, toujours, encore et toujours, hein. Hop, un peu plus de fric. Là, j'ai des soldats. Non, il me manque des soldats. Donc, insert. Hop, ça. Accompagné de ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok. On va augmenter un peu ton commerce. Pour que tu sois, pour que t'évites d'être dans le rouge chaque mois. Enfin, chaque saison plutôt. Toi, de ton côté, on n'a plus une thune. On n'a plus une thune pour toi. On va essayer de t'embaucher quelques soldats, histoire d'eux, quoi. On renforce nos positions, là. Avant d'attaquer, il n'y a que... Ils peuvent se rendre. Vas-y, hop. Hop là. Ils se rendent direct. Alors moi, j'en profite. Hein. Quand ils se rendent, je récupère des villages comme ça au calme. Honnêtement, quand ils se rendent direct sans attaquer, moi, je me bats pas. Hein. Je dis, ok, pas de problème. Tu veux te rendre, il n'y a pas de problème. Vas-y. On récupère quelques villages comme ça. Là, on est de nouveau en été. Ok. Il veut une paix. Ouais, vas-y, pas de problème. Je suis vraiment le gars qui est vraiment là pour la paix. Hein. Pas du tout. Je suis là pour la guerre. Faut pas leur dire. Alors, toi. Là, on y est. Toi, j'ai pas envie de me battre avec toi parce que t'as l'air assez vénère. Donc, j'ai pas envie de me battre avec toi. De ton côté, je vais augmenter ton commerce. Pour réduire un peu la crise économique que t'es en ce moment en train de traverser. De ce côté-là, toi, ça donne quoi? T'as plein de monde là-dedans, ok? Et là-dedans, je crois qu'il y a personne. Si... Non, il y a personne. Donc là, ils vont forcément essayer de nous attaquer. Donc toi... Attends, t'es relié à qui, toi? T'es relié à eux. Ok, mais lui aussi... Lui, il a que un soldat. Là, j'en ai 5. Dans ce cas-là, vous, là, vous allez essayer d'attaquer là-bas. Hop là. Attaque Venon. Mais non, c'est pas Venon. Venon, c'est... Ah si, c'est là. Merde. Dans ce cas-là, toi, fais un truc tout bête. C'est que toi, je vais transférer ton unité à Akmar. Voilà. Toi, je vais transférer ton unité à Vronan. Ce qui va être plutôt, je pense, pas mal. Et on va essayer de te remettre une troupe de miliciens tranquille, peinard. Et là, je pense en vrai qu'on se sera bien dispersé les tâches. Et je pense que ça sera pas mal pour essayer de tenir un tour de plus. C'est rien de vouloir attaquer à tout prix si on se... Ah on va... Alors je pense qu'on va clairement perdre. Parce qu'on est juste 4 fois moins nombreux. Mais on va essayer de faire le maximum de dégâts. Donc je vais moi-même prendre la charge. Bon, alors on est 2 bataillons contre 5. Ça va être compliqué, hein, je pense. Mais... Ah oui, en plus j'ai que des paysans. J'ai que des pégus. Ah oui. Donc j'ai 2 bataillons de paysans contre 5 bataillons armés. Ok. Vous savez quoi? Chargé. Ouais, vous savez quoi les gars, chargé. On porte aux cacahuètes. Ils vont jamais s'attendre à ce qu'on charge justement. Allez, chargé. Voilà, on avance. On ne craint personne, nous n'avons aucune peur. Nous n'avons aucune peur. Nous ne craignons personne. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur est avec nous. C'est ce que disent les gens dans les films médiévaux. Médiéval, je sais plus. Mais ils disent tous un truc comme ça. Genre, le Seigneur est avec nous. Les signes montrent que oui, blablabla. Ouais, je sais, mon discours est aussi encourageant que la situation. Mais quand même. À l'assaut! Ah oui, non, merde, on se fait prendre là-dedans. Non, bah restez là en fait. Restez là, c'était très bien finalement. Restez là. Voilà, à l'assaut maintenant. À l'assaut! On se prend des flèches. On se prend des flèches et on n'a pas du tout de. Bon, déjà toi. Boum! Hop là, tranquille. Et là maintenant, on descend de poney et on va se battre. Tuez-les tous! C'est ce qu'il a dit. Donc on sait que les mecs badass ne sont pas avec nous. On le sait. Hop, ok, là j'ai pris un coup, mais c'est pas grave. On va tenir bon quand même. Voilà, ils vont tous essayer de m'assaut. J'en ai mis un autre. Hop, hop, encore un au moins. L'idée, hein, c'est de les avoir comme ça. Ok, là ils m'ont eu. Ok. Encore, encore. Voilà, en moins. Enfin, on essaye. Allez.
Il va essayer de nous attaquer, on contre. Ok, stop, c'est pas grave, on a pris un coup. Oh non, on a pris un coup, on s'est fait défoncer, mais... le jeu est vraiment dur, tu prends deux coups, t'es mort. Genre deux coups, vraiment deux coups, t'es décédé. Alors, il y a un système de level up, pardon, mais j'avoue que j'ai jamais trop compris à quoi il servait. C'est-à-dire que j'ai beau level up, j'ai pas l'impression d'être plus fort, au contraire, j'ai l'impression d'être toujours de plus en plus fragile, en vrai. Donc j'avoue que je comprends pas trop à quoi ça sert, ce système de level up, mais bon, bref. Ouais, là, oulala, ouais, bon, là, ça craint un peu. Bon, on savait qu'on allait perdre en soi, donc je suis pas inquiet plus que ça. Et on est en galère d'argent. D'accord, est-ce qu'on peut faire une... Non, on n'a pas assez d'argent pour faire ça. Bon. On va être archi endetté. C'est vous, là. C'est quoi le problème? C'est que là, il y a trop de troupes, c'est ça? Ok. On va être obligé des assauts, du coup. Hein. Alors là, on est moins nombreux qu'eux. D'accord. Ici, ils sont en train de foutre le feu. Là, on est encore une fois moins nombreux qu'eux. Ouais, et ben toi, tu vas faire un truc tout bête, c'est que tu vas prendre toutes tes troupes. Et on va renforcer la dernière position, Akmar. Hop. Va là-bas. On renforce à mort. Là, on n'a pas une thune de façon à dépenser. Et vous, là, les troupes sont en train d'arriver. Ok, bon, on va être obligé d'attendre. On n'a pas trop le choix de toute façon. On se fait un peu laminer. Hein. Je pense qu'on sera obligé de recommencer à mon avis parce que là le départ est trop mauvais. On se prend des dérouillax mais d'une force. Ils ont pas l'air de trop nous en vouloir jusqu'à maintenant. Ils disent oh bah le mec est nul mais bon là on veut pas, il est nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut faire zéro décret parce qu'on est en négatif. Chaque saison qui passe on perd de l'argent. On enfonce notre dette. Eux, c'est même pas la peine d'essayer d'attaquer, on se fait dérouiller. Par contre là-bas on a un truc à jouer, on a un deal à jouer là. Il n'y a pas de seigneur. Bon, on va occuper. On occupe la zone. Bah, il n'y avait pas de seigneur. Ils ont tout pillé. Donc, on va occuper la zone tranquillement. Et les rouges sont en train de nous défendre. Bah, ils étaient en train de nous défendre. Mais on a récupéré une cité médiévale parce que les gens l'ont pillé. Ils ont tout rasé. Mais au final... voilà. Ah, bah, on est nouveau en positif. Bah, ça fait plaisir, ça, non? Moi, je suis assez content. Là, c'est mort. Ok. Laisse tomber. Continue. Est-ce qu'on peut assaut quelqu'un? Là-bas, ça donne quoi? Là-bas, on sait que c'est chaud, mais ok. Et là-bas? Vas-y, à l'assaut. Hein. On part à l'assaut. Hein. On va forcément perdre, parce qu'ils sont encore une fois un peu nombreux. Mais ça veut rien dire. Hein. Des fois, il y a des trucs super qui se passent. Chargez tous. Hein. Il y en a à foutre. Allez-y, chargez les gars. Ah, l'assaut! Oui, c'est vrai. Je suis le seul à poney. Forcément, c'est pas la... pas plus facile des trucs, mais... ok. Ah, l'assaut! Non, mais les gars, vous êtes là aussi. Oh, ils courent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, les archers, ils sont déter. Les archers, ils ont pas le temps, les frérots. Donc là, vous commencez déjà à tirer. Ça, c'est beau, j'apprécie. Allez-y, tirez, hein. Faites-vous plaisir. Si on peut leur faire quelques dégâts comme ça avant que avant l'assaut final, ça serait pas mal. J'ai pas l'impression qu'ils bougent. Alors, s'ils bougent pas, presque, je vais leur demander d'attendre. Hein. Non, s'ils bougent. Ils bougent. De toute façon, les archers vont continuer à tirer. J'appelle ça des archers, mais c'est des herbaétries surtout. On a eu quelques dés. Non, ils bougent pas. Attendez alors, attendez. Les archers, vous allez continuer à tirer. Ouais, on est en train de leur mettre cher hein, avec nos archers là. Ils ne bougent pas les glandus là. Ah, on subit des pertes, d'accord. Après, on a plus d'herbaétries, donc normalement, ça devrait, les pertes devraient être plus violentes de leur côté que du nôtre. Hein. Et alors attends, juste pour savoir. Les paysans, vous allez tous charger. Pour tenir bon, voilà, vous allez charger pendant ce temps-là. Pendant que nos archers vont se faire plaisir, nos arbalétriers. Allez-y les pégus, voilà, chargez, vous êtes des fous. Comment ça on envoie les paysans à la mort avant les vraies troupes? Non, c'est juste qu'ils ont, ils sont plus courageux, voilà. C'est des gens très courageux, alors... Par contre, on leur fait vachement mal, hein. J'ai l'impression qu'ils perdent pas mal de monde en vrai. Hein. Oh, par contre, les paysans. Oh, regardez ce qu'ils prennent. Oh la vache. Regardez ce qu'ils prennent. Je vais aller voir là-bas, c'est quoi? J'y vais. Vas-y, j'arrive, je suis avec vous, les paysans.
Ok, on esquive les flèches, on esquive les flèches. Oh là là, c'est épique. On esquive les flèches. Ah merde, je suis exposé. D'accord, parce que je suis tout seul, c'est ça. Je suis trop proche, je suis trop loin de mes troupes. Ok, tout le monde chargé. Tout le monde chargé. Chargé. À l'assaut. Allez les gars. On perd du monde, mais à l'assaut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les paysans, ils avancent aussi. Allez. Allez les gars. Ok, voilà, par contre, ça va direct. Boum, j'en ai eu un direct. Il a pris le tarif, le frérot. Ok. On prend tous relativement cher. Oh, j'en ai eu un en passant là. Avec les démembrés, le frérot. Bloc, 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 cours. Cours et bloc. Cours et bloc. Ok, vas-y, descends ton poney, c'est trop dangereux. Quoi? Mais je suis où là? C'est passé quoi? C'est passé quoi? J'étais téléporté, je sais pas où là. Ok, bon, je cours. Mais j'ai pas du tout compris ce qui vient de se passer là. Où sont mes soldats? Mes soldats sont là-bas. Ils sont déjà tous quasiment morts en fait. J'arrive les gars, tenez bon. Non mais tenez bon. Non mais c'est à cause des poneys en face, ils font trop mal les poneys aussi. Ok. Encore. Frérot, je t'ai mis 15 coups et tu prends rien. Moi je prends 2 coups, je suis mort. Hein. Mon épée c'est de la mousse ou quoi? Ok. Encore, encore. Encore, encore, encore. Mais frérot, c'est pas possible, mon épée c'est de la mousse. Je fais rien, je te fais rien mec. Je fais absolument rien. Toi. Non bah non, il a contré. Je fais rien. Mon épée c'est de la mousse, je fais rien. C'est pas compliqué. Je fais 0 dégâts. Oh oui, j'en ai un. Il était temps, je mis pas point de coup d'épée. Mais les... Ouh là là, là là, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Ils sont tous sur moi, on est d'accord qu'ils sont tous sur moi là. Ah, j'ai échoué. Ok, on essaie de se battre jusqu'au bout. On a pris le tarif. Bon bah écoutez, je pense que là en vrai, je pense que c'est mort. Va falloir que je relance le jeu à mon avis. J'ai vraiment mal joué. Mais voilà un petit peu la campagne qui nous est réservée. Le jeu pour moi est cool, mais il a encore vraiment des soucis. Faut attendre que ça se résout. Vraiment, le joueur est trop fragile. Vous avez vu le nombre de coups d'épée que j'ai mis. Je prends 2 coups, je suis mort. La téléportation qui m'a mis un peu dans la sauce. Bon, j'étais déjà mal, mais là, encore pire que tout. Donc voilà, je pense que ce sera un peu la dernière vidéo sur le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner pour des nouvelles découvertes, telles que Vordekron, du coup. Pour des découvertes toujours dans le délire un peu médiéval. Si vous aimez le contenu, bah, voilà, faites-vous plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.